Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Trop c'est trop. Grâce Lokwa revient encore sur cette histoire. C'est quoi l'histoire? Grâce Lokwa affirme qu'il y a des personnes qui lui poussent à insulter Madjabu Gospel. Vous vous souvenez de son histoire avec Christian Mukuna sur la chanson Azora Bomwana. Il s'est réclamé l'auteur. Christian Mukuna se disait que c'est moi l'auteur. Grâce Lokwa se disait que c'était lui l'auteur. Alors que Madjabu avait attribué les propriétaires de cette chanson-là, c'était Christian Mukuna. Grâce Lokwa s'est plaignée de l'injustice qui s'est passée à Madjabu. Plusieurs personnes disaient que non, si Grâce Lokwa était éliminée à Madjabu, c'était à cause de son orgueil. De son côté, Grâce Lokwa revient pour dire que la communauté francophone ne soutient pas. Voilà pourquoi il évolue plus avec la communauté anglophone. Je me suis posé la question avant de vous mettre le volume de la vidéo. Qui connaissait Grâce Lokwa dans notre communauté congolaise à part Amadjabu Gospel, que plusieurs personnes ont découvert certains talents de plusieurs candidats grâce à Amadjabu? Alors, je ne sais pas si il a raison ou tort, mais pour moi, ça c'est mon avis personnel, de quoi réclame-t-il? Parce que la sœur Deborah Lukalu avait déjà affirmé, ça d'ailleurs il y a une vidéo sur ma chaîne, Nella NG officielle, que la sœur Deborah Lukalu s'est plaignée pour dire que dans notre communauté, la communauté congolaise, dans la communauté francophone exactement aussi, on ne soutenait pas. Tandis que dans la communauté anglophone, les gens se poussent l'un à l'autre. Alors que du côté de Grâce Lokwa, il attribue ça beaucoup plus à Madjabu. Mais il a affirmé pour dire qu'il y a des personnes qui veulent bien lui soutenir pour qu'il aille loin. Mais ils veulent qu'il puisse dire ça publiquement comme ça. Ils veulent, Grâce Lokwa, d'insulter Madjabu. Qui sont ces gens-là? Grâce Lokwa n'a jamais dit. Mais il se plaint souvent que dans notre communauté, on ne le soutient pas. Alors, je vais mettre la vidéo. Je vais mettre le volume de la vidéo. Elle avait fait un live pour en parler. Il y a des gens qui montaient, qui donnaient également leurs avis. Et vous allez écouter les avis des autres personnes. Mais ce qui m'a écœuré de voir que, de quoi réclame-t-il? Est-ce que Grâce Lokwa a déjà vu de notre communauté? Je parle personnellement de la communauté congolaise. Qui est-ce que la communauté congolaise a déjà soutenu dans le bas? La communauté congolaise ne soutient que ceux qui ont déjà percé. Vous n'allez jamais, jamais, au grand jamais écouter quelqu'un dire que non, moi, on m'avait soutenu dans le bas. On commence à soutenir quelqu'un quand il a déjà atteint un niveau. Il est trop plaintif. Trop plaintif. Quelle carrière Grâce Lokwa a déjà fait? Il est venu trouver déjà un monde où il y a déjà des corbeaux. C'est là qui sont déjà mûrus. Il doit chercher à prendre sa place ou à se trouver une place. C'est plein de comme ça, ça me fait mal. Et toute sa vie, il doit reconnaître Madjabu Gospel, peu importe ce qui est passé, ce que j'apprécie énormément. Mais qui sont derrière lui? Qui sont en train de lui pousser à insulter Madjabu? Là, je prie qu'un jour arrive qu'il nous dise comme ça. Alors, suivez la vidéo si vous êtes nouveau sur ma chaîne en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner chez Nella NG officielle, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. On se retrouve à la fin de la vidéo. Suivez. Ma sœur, tu vois, mon frère continue de travailler avec des anglophones. Regarde bien, ton obimi sa nze mononab anglophone, ta l'ampleur. Moi, je prie avec des anglophones. Ils connaissent la chanson que t'avais chantée avec les anglophones et tout. Ngakuna regretta ki, ton otiki kuna oye susuna Congo. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait au Congo, en fait?
Place na eza wana te mon frère, limbi sanga nande ama bete, place na yo eza na ba merci chino, place na yo eza na ba chidima, tout ça. C'est ça en fait ton level, je sais pas si tu comprends, tu vois. Mon frère continue à évoluer, nwana, omoni, ti kana yo, forcé. Kando le biboe. Oui. Na oso ma billet déjà de forcé, na zo zonga. C'est bon. Na zo zonga, et puis ko zonga nangali, kona ya na sina Congo. Oui. Il faut qu'on se dise certaines choses. C'est ça. Apprends bien, parce bien. Évite de soyez bien anglais, bien. Apprends encore mieux. Évolue dans anglophone. En plus, quand tu es avec des anglophones, c'est mieux, tu vois. Tu vas aller plus loin, tu vois. Professionnel, problème, mais elle a raté. Si on a qui ça, on va nous mettre une invitation, on va bien dire, ok, problème. Ouais. Imagine mutu lokwa ngana kuyemba lokwa ba merci chino afandi agumbami azoyemba mais ici au Congo les artistes de gospel kaba en kaka boy kaka ba problème ya omoni ezana ndia mabete vraiment mais ta place enfin ezana ndenga na monde parce que naza artiste omoni je le dis étant que on fait le même travail en fait ta place ezana ndia mabete mais ta place n'est pas au Congo en fait selon moi c'est pas que le Congo, tu vois. Si je dis pas au Congo, c'est un peu abusé, mais pas que le Congo. Et ça, t'as la peine en pleurs aux Akinango, la chanson. Bon, chacun a sa grâce, que ça soit toi, que ça soit même frère Christian aussi. Il a aussi sa grâce à lui aussi, oui. Mais toi, j'avais plus vu place Nayo. On n'a pas de problème. En fait, les gens doivent savoir ceci. Bonjour, madame. Bonjour. On est tellement mauvais. Fais ta vie. Au Congo, même si tu fais de bonnes choses, on va te critiquer. Tu fais de mauvaises choses, on va te critiquer. Ne suis pas ça. Fais ta vie. Le mal est que si tu n'es pas sur la voie de Dieu, c'est pas grave, fais ta vie, tu chantes pour l'éternel, c'est pas seulement obligatoire que tu dois continuer avec Madiab. On finit avec Madiab, t'es là où tu es avec le chrétien. Et pourquoi ils doivent te créer de la haine comme ça? Tu risques de te frustrer, de te rendre un peu pas trop bien parce que c'est toujours comme ça au Congo. Alors toi, ne te focalise pas sur ces histoires, toi, sers ton Dieu. Fais tout ce que tu dois faire bien, point barre. Le reste, tes dieux vont te juger. Si tu es sur la bonne voie, c'est important, c'est bon. Merci beaucoup. La grande famille, en fait, j'ai aimé ce que la sœur qui vient de précéder, qui a dit, ça fait très mal, nos frères congolais. Ça fait très mal. Ce que moi, je veux dire. Ils veulent seulement te créer des histoires pour que tu insultes ma diable. Moi, je te suis à tout moment. Tu n'as jamais insulté ma diable. Mais il t'est pour. Bonjour à tous. Je viens du Ghana avec le Nigérien, s'il vous plaît. Ce que tu as dit, amour, au-delà de tout. Aujourd'hui, moi, j'ai peut-être beaucoup de personnes, je vais essayer de dire certaines choses. Je n'ai jamais dit ça. J'ai un contrat avec mon société, un contrat de l'album. Je devais normalement retourner dans mon pays pour voir certaines choses. D'autres personnes ne comprenaient pas pour voir comment les gens évoluent. On est méchants. On est méchants, s'il vous plaît. Bonjour, grâce. Oui. Bonjour, honorable. Vous allez aujourd'hui, bien? Bonjour. Aujourd'hui, vous allez bien? Kumama, Kissia Sony, même les anglophones, écoutent partout dans le monde. Partout. T'as la même, Nabana ou Lobana de Bia live ou. N'gana yen même pas, n'a sel même pas l'album Mebele. Mais Batbako ou l'andanga na Spotify. L'artiste gospel le plus suivi. Or, il y a des légendes au Bazana Congo. Pour dire que notre frère congolais, sœur, nous, on n'a même pas la capacité d'aller acheter les chansons sur le plateforme. Au moins, Bande Koba Congolais au Bazala Kana. Libanda, États-Unis, mais au Congo, je ne sais pas, peut-être conjoncture, peut-être d'autres choses. Père Grâce, bonjour. Bonjour, papa. Tu vas bien. Je pense que c'est moi qui ai appris une chose. Vine d'abord, après, papa, on aura. Tu viens bien, je viens.
Je peux intervenir un petit peu. Papa honorable. Non, papa honorable. Bah, tout honorable. Bah, maman, maman oui, dit. Allô, bah, après, c'est toi qui vas parler. Papa, merci, papa, quelques minutes, papa. Maman, quand, quelques minutes. Je vais te donner la parole quelques minutes. Donc, pour dire que il faut tout lingana, c'est pas important. Je ne savais pas qu'il y avait mon frère Christian qui était là. Moi, je ne savais pas qu'il devait être là. Il y a mon akamo, tant ma bengi, na akamo. Parce que je ne savais pas. Vous voyez? Je ne savais pas. Vous voyez, au fait. Donc. Est-ce que je peux c'est parler, Fagas? Tolingana, le cas congolais, c'est important. Bonjour, madame. Bonjour tout le monde. Si on peut juste laisser le temps. Okay. Bonjour. J'espère que bonjour, Kakabia. Ok. Je vais dire mon point de vue. Je vais dire mon point de vue par rapport à ça. Maman, tout est merveille. Coupe ton micro, s'il te plaît. Merci. Même papa Serge, s'il vous plaît. Moi, je veux dire ceci. Oui, bien, essaye un peu de couper le micro. Hein. Ok. Moi, je veux dire ceci. Hein. Notre destin ou bien destinée Nabisso, c'est entre les mains de Dieu. Ok. C'est Dieu qui connaît place Nitozo Kende. Mais il peut aussi mettre dans nos chemins, sur nos chemins, des personnes qui vont nous aider à atteindre un destin Wana. C'est quoi? Il faut juste savoir et être discerné par rapport à qui sont tout autour de toi pour bah permettre yo ou atteindre destinée Wana. J'avais écrit dans les commentaires que nous, on peut bien beau dire des choses parce que nous te voyons évoluer bien seul, mais il faut aussi tenir compte de ce que Dieu veut de toi. C'est ça qui compte. Bisso Batou, encore, on va généraliser, disons que nous, les Congolais, topé ça en a Bisso Batou, nous sommes force et tout ça, toko le bané tolingi. Mais qu'est-ce que Dieu veut de toi? C'est ça qui compte, mon frère Grâce. Toko ta awa, topé ça yo, encouragement, mais c'est la volonté de Dieu. S'il vous plaît, s'il vous plaît, merci. C'est la volonté de Dieu qui est au-dessus de tout. Au moni, mutu oyo aza appelé na ba grande chose na tout le monde na ba signe ya ba grande destinée, il est toujours combattu. On voit ça dans la Bible. Joseph était combattu parce que Dieu le voyait grand. Donc quand tu te vois grand et que tu te montre la parole s'il vous plaît, dès que notre sort finit. Nazolo ba bozo ou ba pena sima vraiment please. En fait, s'il vous plaît, qu'il y ait un peu là. Ouais, on est ici pour encourager. Maman Wivine, soyez bref pour qu'on reçoive d'autres personnes. Oui, c'est ce que j'essaie de Maman, tout merveille. J'essaie juste de citer. Ok. Donc, comme je disais, hein, Batou Obaza appelé la grande destinée, ils sont combattus. On le voit dans la Bible, étant chrétien comme je suis, on voit Joseph qui est aussi combattu parce qu'il y a Zakine étoile. Maintenant, il faut juste savoir comment est-ce qu'on gère son étoile dans la volonté de Dieu. Aussi longtemps que tu es dans la volonté de Dieu, Ozalakimia, même si mon pépé Ekoya, même s'il y aura les ondits. Mais Je fais quoi? Vous savez, dernièrement, je vous le dis, là je vous le dis clairement, tout le monde qui me suit. Vous ne savez pas. On parle ici de sa carrière. Maman Merveille, pardon, maman Wivine, hein, tu vas parler, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Au moins, Moutoumoussousou, il évolue mieux quelque part d'autre. Écoutez-moi bien. Parce que Nazap est artiste, en fait. Au moins, le problème, c'est quoi? Au Congo, il est combattu. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, je l'ai dit parce qu'on fait la musique peu chrétienne. Na continue na compte nous garlani tout. Là, vous allez voir. Bartiste na biso chrétien nous combattent.
Je ne sais pas si vous comprenez, en fait. Non, regarde. C'est maman. Vous monopolisez la parole, maman. Pas comme ça. Ok. Ouais. Regarde, maman. Moi, je suis convaincue. Papa, grâce, écoute-moi. Moi, je vais prendre ton numéro. Nako Solana yo inbox, c'est mieux. Comme ça, je descends. Natika Batumisi. Ok. Je vais prendre chez Eddie Olela et puis je t'écris quoi. D'accord, bisous. Ok. Moi, je vais chuter et puis je vais laisser papa honorable. Je peux? Je peux dire un mot. Okay. Pardon, papa Serge, je termine et puis je donne à papa honorable. Moi, j'allais dire, Nzambaye, par rapport à Niaplasaramoutou, dans un pays ou dans une famille, on ne choisit pas sa famille. Si on est né congolais, on reste congolais. Moi aussi, je suis congolaise et je chante, je sers Dieu. Je connais ce qui se passe dans notre milieu. Mais je ne veux jamais venir montrer que Ezaka Kamabe, tu vois, tu peux aussi évoluer ailleurs. Oui, si Dieu t'appelle là-bas, on a là-bas. Ceux qui n'ont pas évolué ailleurs, tant mieux. Qui sommes-nous pour juger place ni destin ailleurs? Et qu'au fond de sa main. C'est ce que je suis en train d'essayer de te faire comprendre. Tu vois, nous, nous sommes des pères, nous ne sommes que des personnes. Qu'est-ce qu'il fait? Arrête, bloquez le micro, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fait qu'on peut avoir tant d'aide? On peut avoir tant d'aide. Yakouina Rabatouboué. Est-ce que les communautés, les problèmes, il y a communauté, Tobotama, Tokutamo. Je vous dis, moi, j'ai eu l'estomac au Nigeria. J'ai failli perdre ma vie. Là, je vous dis clair. J'ai failli perdre ma vie au Nigeria parce que je n'ai pas supporté les insultes des gens. S'il te plaît, papa Grâce. Écoute, s'il te plaît, donnez-moi aussi la parole. Oui. Bonjour, mon frère. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais parler en général. Je pense que papa honorable était là avant toi, s'il te plaît, papa Serge. Laissez papa honorable parler un tout petit peu, s'il vous plaît, vous allez parler. Ah, d'accord, pas de problème. Mais il faut, tu n'as pas mis un modérateur ou comment? Allez, à modérer. Bon, je laisse ça. Je ne sais pas beaucoup, je ne sais pas comment on utilise ça. Donc on sait un peu les gens qui sont entrés avant. Papa honorable, à toi la parole. Oui, voilà. Bonjour à tous. Je vous salue au nom de Jésus. J'étais toujours suivi, moi, grâce. J'étais toujours suivi. Je ne me suis jamais... je n'ai jamais commenté, en fait, quand tu publies tes directs et tout. Mais je veux juste paragrapher quelque chose qui se répète chez tout le monde, en fait. Il y a un mot qui se répète chez tout le monde ici. Depuis que je vous écoute, c'est un mot chrétien. Musicien chrétien et tout. Alors, en petits mots, si nous pouvons seulement définir le mot chrétien, qui est un chrétien? Si on peut juste donner une petite définition, un chrétien, c'est celui qui est comme Christ. Comme Jésus, je suis le Christ. Voilà. Alors, Jésus ne nous a pas appelés à être de chrétiens. Ça, il faut le savoir. Jésus nous a appelés à être de disciples. Celui qui est disciple est comme le maître. Il fait ce que le maître lui dit de faire. OK? Je ne veux pas entrer dans les petits détails, genre problème et tout. Le problème existe. Ça va toujours exister tant que nous serons en vie. Tout ce que moi, je veux te demander, c'est de faire ce que Jésus a fait. Pose-toi juste une question. Qu'est-ce que Jésus avait fait pour qu'on accepte de le pendre sur la croix de Golgotha? Avait-il fait du mal à quelqu'un? Même à une mouche? Jésus ne s'est jamais plaint. Moi, maintenant, là, c'est un reproche et c'est un conseil que je te donne, frère, grâce à l'eau. Jésus ne s'est jamais plaint. Malgré les insultes, malgré les menaces, malgré quoi que ce soit, Jésus ne s'était jamais plaint. Il nous attend des disciples. Qui est disciple? C'est celui qui marche et fait ce que Jésus veut qu'il fasse. Ressembler à qui? Christ. En pensée, en parole, en acte et en action. Le seul conseil que je t'ajoute en te donnant ce matin, c'est que tu ne peux pas continuer à exposer tes problèmes en public. S'il te plaît, quand tu as un souci, tu constates que tout ne va pas bien,
tu ne peux pas venir dans le média en public commencer à dire que Balinga Kanga Tetala, un chrétien ne sera jamais aimé. Ça, tu dois le savoir. Tant que tu es en vie, tu auras toujours des combats. Il y a quelque chose qui va déracer les diables, que le diable, les a secrets au diable à Yemi, au Bananazam et Baye Bakate, Bible le Biboué. En toutes circonstances, nous devons rendre gloire à qui? À Jésus. Ok? Si vous secrets, secret, c'est que tant yo, bah le bit toutes circonstances, bah définir t'es bientôt yamabe, bah le bit toutes. Et nous le bah que malheur est là yo, paix sans âme et merci. Bonheur et yalo, paix sans âme et merci. Ce qu'au diable, secret, c'est que diable a bouni sa vie sur wapi. Tant yo, yébi que au échoué. Soit, eza, bah kouba, soit, eza, bah injustice. En fait, j'aimerais un peu rectifier. Papa. Je voudrais un peu rectifier. Participation langa par rapport à direct nayo. Merci. Que Dieu te bénisse. Évolue bien. Okay. Et meilleur. C'était qui le nom? C'est l'honorable Mons Makanda. Ok. Honorable Mons Makanda. Merci beaucoup. Merci pour votre intervention, pour les conseils, pour tout. Alors voici. Peut-être d'autres personnes viennent à peine d'arriver et tout. En fait, quand j'ai commencé le début du live, j'avais commencé les lives pour souhaiter de meilleurs vœux et joyeux Noël à tout le monde et puis faire écouter les gens ma nouvelle son qui va sortir bientôt, Ebeneza. Je ne savais même pas ce qui s'est passé sur les réseaux. Je ne savais pas. Je viens à peine de me réveiller. Je ne savais pas. Et soudain, j'ai commencé à voir le message. Les gens disent que tu as fait ceci. Accordez-moi aussi la parole, papa. Je vais parler et puis partir. S'il vous plaît, papa. En train de... Vas-y, papa Serge. Bon, je dis ceci en fait. On a un seul problème mais qui est général. Je me reparler en guise de tous nos artistes et profanes et les artistes chrétiens, on a un seul problème. Parce que lorsqu'on monte, on prend nos maîtres avocats sans oublier qu'il y a des conseillers artistiques ou des chargés de communication qui sont bien avérés, qui ont du talent, qui savent ce qu'il faut à nos côtés. On oublie les conseils. Dieu te donne la grâce, mais tu as aussi besoin de la connaissance scientifique. Mm-hmm. Tout marche avec cela. Vous voyez même dans un live que tu fais ici, moi je trouve des erreurs techniques dans ces lives. Le gens même, à ta bateau, Balingio, malgré qu'on est de frères. Mais tu es simple, je te connais mon frère. Toi et moi, on se connaît depuis très longtemps. Toi, peut-être de vue, peut-être au monde, au Yibanaï. Tu n'as aucun problème avec ton frère n'a aucun problème avec toi. Maintenant, le problème, c'est que vous deux, vous donnez l'attention aux fans. Vous voyez, ce sont vos fans. Et ça, quand moi, il y a autre chose entre Fali, Naferi, Grâce, je te dis la vérité. Ce qui manque, ce sont des gens qui sont à vos côtés. N'oubliez pas que ces services, vous le faites pour Dieu. Hormis Maramoussousou. Hein, Grâce. Toi et Christian, vous connaissez très bien. Ce n'est pas cette chanson-là qui va vous séparer. D'un temps, on va dire que nous sommes tous les deux. Pourquoi vos fans font ça? Regarde, tu as chanté, tu as fait la fierté de notre pays en dehors de ce pays, à l'étranger. Même chose que Christian l'a fait aussi. Mais c'est une grâce, mon frère. Ça fait notre plaisir. Mais le problème, c'est qu'il faut mettre à vos côtés des experts en communication et des experts artistiques qui peuvent vous conseiller. Non. Avant de faire ces lives, il fallait d'abord consulter quelqu'un qui est à tes côtés. Papa, un chargé de communication, est-ce qu'on peut faire un live? Tu t'imagines que live, au Salé, on a un Christian.
Rubi, combien vous deviez avoir comme bavure? Tu n'es pas obligé de le faire avec Christian. Mais quand tu as mis le tamboulouana, maintenant, au Ben, je sais que si tu appelles Christian pour un live, alors, il y a des gens qui s'appellent pour un live, alors, mais seulement que, bon, en fait, tu as évité le bossa et l'envoi pour un live, tu n'es pas obligé de le faire aussi. Mais si tu le fais seulement, c'est live avec Christian. Nga à tes côtés, si j'ai déchargé ta communication, non, non. Des live qui est boué, des barmirmi qui s'affichent dans le. Après même une semaine, Botiki Pena, Maramouane Kei, tu sais bien les Congolais comment ils sont. Donc il ne faut pas dire oh, voilà les Congolais, mais nous aussi nous devons avoir un côté professionnel. Faut tout ça la Maramoupo. Vous savez, ils ont là-bas, Yoyebi, Bavien, Abiso, Moussous, on a autant à combattre. Ils ont là-bas, Bez, Moussous, Bassal, Rabamomoro. Donc tu crées du Bez, Yomoko. Au moins, vraiment, ok, bah, lobby, bah, lobby, bah, lobby, bah, lobby, ta, 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 beaucoup de chrétiens organisent. Donc, vous avez organisé ça, donc, beaucoup de chrétiens quelque part. Allez, vous faites un live comme ça, du coup. Alors, regarde même quand tu parles là. Peut-être, ils ont mal au Yozolo, sans problème. Mais en parlant, tu vois, par exemple, quand tu dis, t'as un chrétien, t'as un chrétien, mais ça peut être sur la ligne, c'est normal. T'as un sur la ligne, parce que, bon, je ne sais pas. Voilà, là, 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 là. Papa Serge, allô, vous m'entendez? Oui, on entend. Ok, merci beaucoup. Et je crois que tu n'as pas parlé. Oui, je pense que c'est sa connexion. Vous voyez, on m'a interprétation, mais binobo yambani bo sepeli na. Moi, je vis les lives. Ben oui, bata là-bas. Ah, regarde. Pourquoi on peut arriver jusque là, le chrétien? Pourquoi? Non, maintenant, c'est quoi? Maintenant, le problème, c'est que toi, moi, à ta place, non, c'est justifié dans l'autre côté. Reste calme, ne regarde pas les lives. D'abord, il faut avoir la notion, il y a pas live. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des faux comptes. Bah, au matin, pour pas mettre yo mal à l'aise, ça, il faut le savoir. Mais c'est loco. YouTube. C'est normal. Ceux qui ont bimisika que loco bango va réussir. Ça, je te dis la vérité. Alors, c'est pour cela, avant de faire ces histoires, il faut consulter des experts. Tu n'es plus grâce que je connaissais. Tu es déjà une grâce, disons, grâce à Yalikolo. Grâce, mon boy, avant de faire quelque chose, il faut consulter. Là, il y a au kata, on est en mode sur les réseaux sociaux. Ça, mets-toi dans ta tête. Yébango. Au kata, on va être en mode sur les réseaux sociaux. Maintenant, avant de faire n'importe quoi, il faut consulter les gens. Consulte les gens qui connaissent, qui maîtrisent la communication. Qu'est-ce que je peux dire dans ces lives? Tu peux faire un live de prière. Tu peux faire un live de prière au bandit prière, ma tondo, pitatatatata, ou annoncer, disons mon nom, l'ont publié. Et sinon, pourquoi tu engages une discussion avec le fan? Il y a plusieurs personnes, là, on a ou ta communication, il y a beaucoup de gens qui ont de faux comptes. Alors, maintenant, au monde, il y a eu, peut-être, il y a eu, il y a eu, il y a à Mathia, à Arnaud, le Bababilo, au monde, pour aïe, baga, oyo, le Bawanam, Balamoro, et qui est non. Est-ce que les gens ont intérêt à parler de ma job aussi? Non, c'était un contrat. Tu as travaillé chez Madjab, tu étais artiste à Madjab. C'est fini, c'est ce qui s'est passé, c'est passé. Tu es en bon terme. Il faut dire aux gens que tu es en bon terme. Tu es en bon terme avec les gens de Madjab. Ce sont des gens qui ont fait à ce qu'aujourd'hui, on a connu. Tu n'as aucun problème avec eux. Alors, tu n'étais pas aussi obligé de continuer toujours là-bas. Tu as créé ton chemin. Je suis toujours reconnaissant. C'est ma famille. Voilà, mais c'est ça qu'il faut répondre aux gens. Qui pleuvent, qui naissent, c'est ma famille. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, il faut éviter d'engager des débats avec des internautes qui viennent dans les commentaires. Je t'ai dit, moi, je peux faire un faux compte pour te dire, yo, pena, ou boyin de gonayo, yo, pena, ou zamabe, yo, pena, ou zamboye, pona, yo, kaka, lilobayo, robini, c'est Christian, et nani, grâce, et nakena, lilobawana, je pars marchander avec. Donc, il ne faut pas t'afficher pour t'afficher sur les réseaux sociaux. Tu n'es plus n'importe qui, ça il faut le savoir. Ça, je l'ai dit à tous les artistes où on écoute en Abangon. On est en Abangon. Oh, Bazel Kolo. Vous n'êtes plus de n'importe qui. Imaginez, tu regardes, t'as la vu au sala en Abangon, réseaux sociaux. Dans un coup, mais dans la vérité, là, la vérité, t'as la vu au sala en réseaux sociaux. Donc, tu n'es plus n'importe qui au Bandovanda, au télé-live, au plus tu réponds aux gens, au Bandoloba, au tu n'as pas été justifié. Quelqu'un t'a dit, dis merci. Quelqu'un t'a dit, dis merci. Alors, je suis ici pour vous annoncer l'album Patata, et c'est tout au Cathy Live. Tu n'es plus là pour te justifier. Tu étais invité comme lui était aussi invité. Puis ça, c'est mon frère.
Je connais très bien, moi je parle avec vous deux. Et ça, c'est mon frère, en fait, c'est mon frère. Mais quand il faut te conseiller, mon frère. Ah, non, non, okay, non, Kata déjà. Alors, s'il faut seulement monter, il ne faut pas parler. Il ne faut pas parler de vos. Conseil, mon sou, ça vous avez continuer à maman Tima. Conseil à maman Tima, on a faux. Il faut que les gars, Natigue la bino pour moi, mon papa Serge. Mais c'est ça, c'est pas un combat. En fait, toi, tu fais par Nayo. Le reste, tu t'en fous. C'est ce que le papa Serge a dit. Tu sais, il y a des occasions, voilà, hein. Ça nous aide à mûrir aussi. Si tu n'arrives pas à affronter certaines occasions, tu vas pas mûrir. Moi, j'aime ce que le papa Serge a dit. Il faut avoir les gens tout autour de toi qui te dit aussi, qui t'aide avec des conseils, parce que sinon, ça va être que Ozokima. Hello, ni Ozokima. C'est ce que tu dois mettre dans ta tête, en fait. Ozokima, tu es en train de faire des choses, la maturité, c'est l'essentiel. Maman Merveille, merci beaucoup. Maman Merveille, rapidement, on va. Salut. Maman, je suis un modérateur. Frère Grâce, vraiment, comme papa Serge Alobi, elle comme sœur Wivine Palobi est un très capital hein. Oki mano bitumbati. Omoni ndoza wana mitia na rang ke ozape oza grand. Ozomona. Muto aza mukolo abunga abanga makambute. Makambo yo yango ekoya wana dans tous les sens ekoya. Ata soko kimi tango ozonga. Makambo golando kaka. Papa. Biso na Congo to lingaka yo yeba keza na bato oyo balingaka yo ozomona voilà conseil nanga na peso ezabwe o moto ngolobi ndenge papa sa jalobi o moni bato musu basala ba faux compte amatika awa po atchamwe loko moko boye allo ba moi e loko moko boye tangu yo oko reposter bazui kaka moi parti wana po basala nango basala nango moi marché donc ce que mati na yo muta tuno par rapport à madja biolobika wana za maison nanga ba tuno pona christian ate wana za ndeko nanga peu importe muta ko luka ale kana polémique yo fo okasaka bango yo fo talisa ke toza na bango ensemble ata soki ke bato ba senti ke solo ya mabe ata bato ba remarquer ke zelo moto mona ki na feti bobo na bo yo fo talisa bato ke non il y a rien Ozomona, voilà. Ce que ceux qui m'ont attiqué, on a pas faux compte à lever le mot boy. Yo peut aussi laisser bona boy. Est-ce que ça n'est bona boy? Bilo wana nde batu bazwa kango pona sani. A ozomona ka mona tinde lango Christian. Tala nde ola bino zolo. Batu ya mabe bazali na bakona ba faux compte oyo pona ko kota ba polémique. Yo oza mutu oyo nzamba za ko utiliser na nzela ya loyembo. Déjà à partir ya kokena yo na Nigeria et bimission makasi papa et bimission makasi. Donc nango zongi na Congo papa yebaka ke oza pe na rang ya ba grand. Évolue ko ki ma kongoté. Ozomo nde komoko sœur moko apesa ko conseil te kené na ko évoluer kuna ba respecta bato biso pe na Congo to respecta pe ka bato donc ba problème ezanga te même na ba Nigeria wana eza pe na bato o pe ka babun sa marabango na bango eza ka yaya ezanga na ngote na mboka nyoso makambo ezanga te donc yo nga apesa ko conseil papa nanga évoluer na yo ozomona kanga matoi luka bato ya bien côté na yo o ba ko pesa yo ba conseil ya bien po o évoluer Ozomon, ozan avenir nene ya kitoko. Ozomon, voilà. Donc nga conseil on fait so kaka. Tracer chemin na yo, oyo ka batouté avant koloba, o réfléchir. Est-ce que mouto nga tout nga boye, ça pas piéger na té.
pour loba n'importe quoi te pour batuba profiter na maloba na yo te ba sala ngoba chantage ke ozo mo réseaux sociaux a réseau moro papa pourri na koloba na batoma lam na batoma be bazali. Donc c'est ça que Dieu vous bénisse. Voilà. Allô. Oui, allô, Fabien. Faut déranger dans la live. Et live est bien. Live est bien. Donc, c'est à quoi dit qu'on a live avant. Et le oh, papa Serge, j'ai ouvert le bar. Ah. Il y a d'autres personnes, il y a un moninga na bandolo linga na fandaka kimia parce que bat mususu mona yena live awa aye bien le côté abandi koloba makambu abandi koloba. Et puis si vous regardez cette vidéo où on a presté les vidéos qu'on a presté là, nga na mona kité, moi je savais pas que Christian était là. Je suis venu, je suis venu. Allô, vous m'entendez? Oui, 5/5. Ok, je suis venu Nafandi. Alors, le frère Fiston a bien qui a invité le frère Christian à inviter Pengai, sans pour autant que Bissom Bertos à le courant. Voilà. Les gens vont venir ici, ils vont dire des choses. Ils vont dire, il va citer le nom de Madjabou. Ils vont dire des choses ici. Sans pour autant, si on a dans le bas, Batou Bansil, Koka ta parole. Voilà. Je lui ai envoyé l'invitation, Yohana. Ayambite. Salut frère Grasse. Oui, salut. Je vais intervenir sur le problème du Nigeria. J'ai entendu certaines personnes dire que c'est mieux d'aller au Nigeria, d'aller évoluer au Nigeria. D'autres personnes ne sont pas d'avis. En fait, je vais dire ceci. Le combat, c'est partout. Rien ne prouve qu'au Nigeria, vous ne serez pas combattu. Rien ne prouve aussi que au Congo, peut-être, vous ne serez pas combattu. Même si vous partez en France et qu'il y a des musiciens, des artistes chrétiens qui voient que vous êtes en train de percer, ils ne vont pas aussi vouloir parce que, comment yo muto outi Congo, par exemple, y'a en France, boyo, ba no perso, les kabiso. Tout comme au Nigeria, il y a des gens qui sont là, ils ont du succès, quand ils te verront aussi, certainement, ils ne seront pas contents. Ils vont dire, comment un artiste congolais qui vient s'installer ici et faire plus que nous. Donc, ce que je vais dire, c'est que, écoute ce que Dieu veut pour toi. Écoute la voix de Dieu. Parce que nous tous, on peut dire ce qu'on veut. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Parce que Dieu voit ce que l'homme ne voit pas. Dieu voit ce que l'homme ne pense pas. Et il peut même t'épargner de beaucoup de choses. Donc, moi je peux dire, pars au Nigeria, reste au Congo. Je trouve que ce n'est pas vraiment un débat utile. L'important à faire, c'est que suis les conduites de Dieu. Là où Dieu va t'envoyer, tu pars. Si Dieu veut que tu partes au Nigeria, tu pars. Si Dieu veut que tu restes au Congo, tu restes. Mais ce qui est sûr, ce qui est sûr et certain, il y aura toujours des combats. Tu es un artiste chrétien, tu es un musicien. Il y a toujours des gens qui vont t'aimer, il y a toujours des gens qui ne vont pas t'aimer. Ça, c'est normal. Donc, dire que je suis toujours combattu, je crois que c'est pas quelque chose de grave. Il y a merci toujours beaucoup. Des musiciens qui sont combattus. Arrêtez le micro, s'il vous plaît. Arrêtez ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour le deuxième point, par rapport à la comparaison que beaucoup de gens font. Je crois que vous n'êtes pas obligé à répondre à tous les commentaires parce que il y a des gens qui n'ont pas de bon cœur, genre ils veulent toujours des polémiques et tout. Donc tu n'es pas obligé à répondre à tous ces gens-là. Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec Madjabou? Je vois dans la majorité des vidéos que tu publies, il y a toujours des commentaires sur Madjabou qui ne manquent pas. Il y a toujours des commentaires. En fait, tu devais savoir une chose. Vous savez, Madjabou et Zandako Nganan Outi. Même si aujourd'hui,
à ton boy au Kimi question. Et ça, le Mouba. Parce qu'on me posera toujours cette question. Exactement. Voilà. C'est ce que je dis. Il y aura toujours ce genre de questions, mais tu n'es pas en fait obligé à donner attention à ça, parce que en fait, tu peux faire des lives, tu peux présenter ton album, tu peux présenter tes chansons, mais tu n'es pas obligé à répondre à ces personnes-là, parce que apparemment, nous tous on est là, tout le monde dans les lives est là, en train de parler du débat par rapport au à Grasslo quoi et Christian Mukuna sur la chanson. En fait, je trouve que c'est pas vraiment important, parce que tu es artiste, Christian Mukuna aussi est artiste comme toi. Je ne vois pas l'importance d'épingler les sujets et de mettre ça comme les sujets principaux du live. Donc courage pour tout ce que tu fais. En tout cas, je crois que vous n'avez pas de problème avec Christian Mukuna, parce que il était même au live. Il vient d'entrer ici, vous l'avez vu. Donc, le message que je vais dire, je vais demander aux gens, je vais demander aux téléspectateurs d'éviter des polémiques inutiles, parce que, comme tout le monde disait ici, nous sommes des chrétiens, alors chrétien n'est pas synonyme de polémique. Parce que si vous tous, vous êtes en train de glorifier Dieu, vous êtes en train de chanter pour la gloire de Dieu, pourquoi vous allez vous discuter? Chacun élève Dieu à sa manière. Amen. L'importance n'est pas d'être vu par les hommes, mais l'importance est ce que tu es en train de donner à Dieu. Alors, évitons des polémiques. Soutenons les artistes. Amen. Soutenons les artistes. Les chants sont trop grands, mais il y a peu de serviteurs. Oui, allô, maman. Allô, bonjour, Fallo, quoi. Bonjour, moi, c'est la sœur Belinda. Nazan a commis un calame. Je suis du ministère chrétien combat spirituel. Nangana le babe Fallo, quoi. Osa Moussa l'entend vraiment mon nene Moussa l'entend puissant nga na sepe la kanayo na eloko o likabo o osa nango o nzamba pesi yo. Alors okende liboso na nzambe wana osa natina ko kabatu te balo ba n'importe quoi ceci cela non. Osa Moussa l'entend nzamba zano elongo okende musika po komata. Oui, oleka ki majabu, ezaka majabu te mte salo. Eze, lo kwa nzambi oza nkati nango, mte salo oza la lo kwa oyo zalilo. Alors, demè toujou an Christ. Bitumba ton kyone an vi, toza toujou na ba komba. Eti, avant to kita na sama belo, toza toujou na ba komba. E se le Dieu la ki e a notre kote, po to longa, paske toza ba longi. Zala oyo zali nebi ki longo na nzambe na oko mato kukinde liboso. Nzamba osalo su granton mneni na sama bele o. Dans sa san ari o liyo kakabi yo kayo ka o balu baba saba sabu ite. Yo zala toujou yo, zala lo kwa oyo zali, un serviteur de Dieu, un grand homme de Dieu, zala toujou bongo nebi ki nzambe oyo. Ya lola a oti koto zano ilongo. Et puis babi ke ba bundi se biso bitumba ba otika kolonga biso ta mukolo moko te tant ko za ne pa ko le manzambe muta kolonga ka azalite kolinga ba polemique te parce que majabu seto eza famille na yo le kaki wana baza bande kono muta tona polemique te ba tona ba rankin te donc zala ka oyo zali forma komanto nga na lo ba yango wana. Bonjour, maman Belinda, que Dieu vous bénisse. Ça c'est une maman qui a parlé. Bonjour, grâce. Que Dieu vous bénisse, maman. Bonjour, grâce. Amen. Bonjour, bonjour. On va recevoir qui, s'il vous plaît? Emmanuel Nzeza. Clotilde, na lo bana konti anan ya Clotilde Mwasinanga, s'il vous plaît. Emmanuel, on compte à Clotilde, ok. 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 Na lo bana konti a Mwasinanga, parce que na l'imbabo makas, depuis ma diabo. Merci. Biswa, na nazan albumbashi précisément, na seplarana yo, depuis compétition, jour na yebaka yo. Merci beaucoup, monsieur. Na bando mona ya koti anan. Concernant la OPC, c'est ça qui est. Quand on a un peu de Congolais, le Congo est un peu de polémique. Quand on a un peu de polémique, on a un peu. Donc, on a un peu de polémique. 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 Et puis, tu n'es pas obligé de répondre à mon question. On a un peu de polémique. On a un peu de polémique. On a un peu de polémique.
na nini na makambo ozo sala ou bien na vie privée na yo oko répondre ozo obligé à répondre à bangote na concerne na opesa ka ke biso to komisika nzambe majabu ezaka na lo nzambe atidisa ki po a toye ba yonde to yebi parce que il faut to lo ba vérité bien sûr ozaka ki na nzambe mais nga na ko lo ba ke na yebi à travers majabu compétition majabu et puis to se plaigne na famille na ngamo oui ça c'est vrai. Yango na opesa ka conseil nazana malobebele te na kitananga zalaka ka merci beaucoup bien aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que je vais vous laisser. Je vais vous laisser déjà. Bonsoir, bonsoir, Grâce. Bonsoir, bonsoir, c'est qui? Bonjour, Grâce. Bonjour, bonjour. C'est Emmanuel Nzeza. Oui, je vous écoute. Comment tu vas, mon cher? La grâce de Dieu, monsieur Emmanuel. Quelles sont les bonnes nouvelles? Ouais, Dieu fait grâce en tout cas. Je suis très content de te revoir encore aujourd'hui sur ce live. Amen. J'étais en train de manipuler un peu le téléphone, je vis les lives. Alors, ça m'a poussé un peu de monter. J'aimerais un peu parler par rapport aux fans. Mukuna. En fait, grâce à Lokwa et Christian Mukuna, n'ont pas de problème. Il n'y a rien entre. Grâce, c'est mon ami. Christian Mukuna, c'est mon ami. Il n'y a rien entre eux. Donc, ce sont deux personnes, bas en relation, il y a bien. Bas solo, il y a bien. Makambounion, il y a bien. Donc, rancune entre Bango et Zalakate. Donc, évitez de mettre dans vos têtes que non, grâce à l'eau, Christian Mukuna, bas en problème. Il n'y a pas de problème entre. Ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des jeunes que le Seigneur utilise pour Nathan Oyo. Alors, nous devons les soutenir. Et non, que Toya, Tochara Logo Laba, Moto Moro Boye, que Elugasue Pelissa. Non, soutenez nos artistes et soutenez les enfants de Dieu tant que nous sommes enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, et que nous devons nous avancer. Et non, que Toya Ranaba Maloba, oh, ils ont même une division, ils ont même un problème. Alors, ce n'est pas bien. Et c'est ce que j'aimerais un peu ajouter par rapport à cette live. Et j'aimerais conseiller à mon frère Grâce. Tu es quelqu'un connu et tu es quelqu'un qui a la grâce de Dieu. Mon frère, reste focus. Tu sais que, na onion so sala, moutunion so sepela nangote, moutunion so lingayote. Et ça n'a pas onzam ba disposé pour ba lingayo, pour ba soutenir yo. Alors, peu importe o bato ba oloba po na yo, reste focus. Kolanda bangote, ataba komelo ba message à ma bé, reste ce que tu es et le Seigneur sait ce que tu veux pour lui et le Seigneur te bénira. Merci beaucoup, je m'arrête là. Merci beaucoup, merci frère. Bonjour, grâce le quoi. Ouais, merci, monsieur. C'est qui, c'est tonton Emmanuel? Oui, bonjour, papa. Oui, bon, Kenazara qui a banda kalana, c'est bon, on a banda aux élagas, je suis désolé, tonton Emmanuel, je suis désolé. N'a pas sa père vie. Oui, donc, na rôle, donc, attaque à 5 minutes, quand t'as pas m'bafla. Oui, vas-y, rapide. 5 minutes, c'est beaucoup, s'il vous plaît. Non, Tokita, t'en as 2 minutes, gars. Oui, en tout cas, n'a pas sinon, on dit, mais merci, premièrement, n'est na monio na live, oui. Parce que na banda Olanda, vraiment, banda kalame, na zoab natin, on m'attendait, na zoab natin, on m'attendait, on l'élo. Normalement, na banda Olanda, banda kala. Na ma diabou, nan, nous coûte. Banda la nana banda na banda na ndona mona ona no banda oyembisa e pa passer Marcelo na majabu na kutu tena banda mona kuna donc il lelo na ko mona le so na majabu ti ba majabu na ngi ko le kana bo makamunyo so tutu ne zo le kana bo en tout cas mon frère o nga la ngi na loba o vraiment ezo matanga na mutema ezake nini normalement il faut zalana no oyo yo moko ozali ozo mona. Faut que nous ayons un peu de temps avant nous battre. Il y a un peu de temps. Baba na un peu de temps. Voici ceci, cela. Zana nous ayons un peu de temps. Ozo mona. Pour obimisa, opesa, oyo nzambe atakati na yo. Il faut que nous ayons un peu de temps. Kolandate biloba loba ya batu. Parce que moutoye a lobi, moutoye a zongisi. Yo banako zongisa. Non.
wana vraiment eza mabe makasi ngap na conseil ko mitsa na makamu wana pena te eza pena vraiment propreté zala oyo moko ozali eza vraiment très kitoko ngala bana usepelano bana kala eza ngutu pona lelote na yoko mono sou na majabu vraiment et sepeli sa pina lisou makasi makasi vraiment wana makasi ngap ne lo ngala mateli vraiment na ngina songo ka mon frère ba courage belé landa nzela na nzambe no zo landa wana auction ya munene ya nkolo ya kati na yo ya makasi vraiment za kati na yo kolanda bilobalo ba batu te o balobi boye pona grâce o balobi boye pona chrétien non chrétien za ndeko na yo so bo bandi ko sangisa biloko na c'est pas bien ngape no ngana meka ko singa yo soki ozo sala live na yo mon frère s'il te plaît ko ngana ko mata batu te o mati soko o pesa promotion ya musique na yo o pesi et si lui, oh y'a sepeli nango, a sepeli, oh y'a sepeli nango, te kolanda te mon frère. Entendu, tonton Emmanuel, d'accord, ma kassoute et si lui. Hein, kolanda te, et zala ba fingi na se na ba commentaire, zala ba fingi te kolanda te, zala oh yo zali mon frère. Parce que tant ozo mati sa bratou, ba misou ba ope sa ba vina bango, ba misou ba ope sa ba vina bango, na se na commentaire, kona pe, ma finga, ezo yaba ma kamwebele, momona, c'est mieux au vendi, au pesi promotion na yo, au moins, au PC promotion, au PC vino, ma camounayo, tout ceci, si la vino, mon frère, aux autres kati. Pas ma problème, y a gâté parce que au matissa qui boit moutou, moi, boutango, le babou, à soi kati, moi, parti, moi, mouquet, à mémi, en haut, kuna, qui est au bani, qui était à la grâce, à l'obaki, les camboboye, pour n'y qu'en déboué. En tout cas, zala, ou yo, zali, mon frère. Zanga, pambo, la yo, abate, la yo, donc, vimou, la yi, donc, tracé chemin, nous, pour n'arrêter en Zambie. Zambi. Zamba, au foot, mon frère. Amen. Merci beaucoup. Vraiment. La grande famille, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et merci. Oui, super. Bonjour, Frangas. Hello. Ouais. How are you? Oui. Yeah. Bonjour. Thank you. I want bonjour, just bonjour. To talk to you for 1 minute because yes. You are the person I really like the most. But one thing I want to talk to you is, Brother Grace, you know, if you sell yourself cheap, people will take you as cheap. You see, you are Grace. Normally, you are an international artist. You have not that time to talk even with us. Like we must admire you from distance, right? You are already, you touch already the whole world. So the way for you, like you are sharing this life with everyone, everyone can come here and talk. Despite the grace you have, despite the talent you have, you must also do something like a big professional. You know why we admire other artists? It's because they value themselves and they give themselves a very great image of themselves. Voilà, vous avez suivi la vidéo qui a déjà été soutenue par la communauté. Qui a tort, qui a raison? Je ne sais pas. Mais c'est que je sais. La plupart de nos musiciens qui ont réussi à percer, commençant par le frère Mike Kalambay, le pasteur Moïse Mbiyé, la sœur Deborah Lukalo. La sœur Deborah Lukalo, d'ailleurs, elle a commencé dans son église. Si tu veux percer, même le couple Mbouma, Nadej, la sœur Sandra Mbouy, ils avaient leur communauté, leurs églises. À partir de leur communauté, leurs églises, ils ont été soutenus là-bas. C'est comme ça que le monde les a connus. Alors, je me suis posé la question, Grâce Lokwa, n'a-t-il pas une communauté pour qu'ils aillent chercher le soutien ailleurs? Je ne sais pas. Est-ce que le soutien qu'il reçoit dans sa petite communauté, ce n'est pas suffisant pour qu'il perce, pour qu'il se démarque? Je ne sais pas. Est-ce qu'il en veut trop? Il cherche trop, je ne sais pas. Est-ce qu'il se considère beaucoup plus important, il se voit grand alors que les gens ne le voient pas comme ça? Je ne sais pas. J'ai aimé les commentaires de tout et chacun dans la vidéo et que chacun de nous tire bénéfice. Mais ce que je donnerais comme conseil, si tu fais, si tu as ta vision, fais ta part. Ne cherche pas le soutien des hommes. Les hommes, généralement, ne soutiennent pas les gens qui sont faibles. J'apprécie beaucoup Madjabou Gospel. Il nous a fait découvrir beaucoup de talents cachés.
et que s'il y a vraiment des personnes qui poussent grâce l'eau quoi à insulter Madjabou, c'est que ces personnes-là sont ceux-là qui sont en train de combattre Madjabou Gospel. Parce que si on connaît aujourd'hui grâce l'eau quoi, c'est grâce à Madjabou. Alors, comme conseil à tous, si tu as ta vision, fais ta vision. Peu importe ce que tu feras, des bons ou des mauvais, les gens parleront toujours. Coucou à tous les Néla Chou, les Néla Cœur, les Néla Love. Bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye! Néla NG officiel. Néla NG. Écoute, like et abonne-toi à Néla NG officiel sur YouTube. Néla NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Néla NG te dit toutes les vérités.